Sympa ce petit moment qu'on a passé tous les deux dans l'ascenseur. C'était intime, ta sueur sur le front. L'anthrax ne suit pas. Au fait, on pourrait pas retourner à la voiture hein, parce que j'ai oublié mon blouson et c'est la merde. Non. Allez, s'il te plaît, allez juste là-bas. Je m'en fous, écoute, on a des listes de boulot. Alors c'est non. Ok. Écoute, on a Lily qui est à retrouver. Ouais. En fait, faudra peut-être qu'on appelle Batman, il a peut-être des infos sur Lily Kate. Hein. À une seule condition, je veux que tu me promettes qu'on parle pas de Robin. J'espère juste qu'il portera sa cape. Putain, je crois qu'on m'a chié dessus. Il fait quoi ton pote Batman là? Parce qu'il fait frisquet et j'aimerais bien le coco mango club ce soir. Sois patient, il devrait pas tarder. Je sais pas toi l'anthrax, mais moi je me sens chaud. Chaud comme la braise. Moi et ma chaussure. T'oublie pas ce que je t'ai dit sur Robin, ok? Ok, moelleux, promis, je lui en parlerai plus. Putain, il est arrivé. Bon alors. Ça va Bruce? Alors je t'ai au téléphone, t'as des infos sur l'étiquette? M'appelle pas Bruce quand j'ai le costume, merde! Pour la peine, je vais vous poser une énigme. Ça sera encore mieux une charade! Putain, mais t'es trop con, quoi! On n'a pas le temps, là! Ouais, bon, cool. C'est bien parce que c'est vous. Voilà l'histoire. Un entrepôt pas loin d'ici, où vit l'oncle de Lily Kate. Il est censeur plus que moi. Mais ce sera pas tâche facile. Pourquoi? Il est un jeu? Il est fou? C'est un fourbe. Le joker à côté, c'est une danseuse. Mais t'as fait quoi, ta voix? T'as mangé une chauve-souris? C'est comme ça que je t'aime. C'est parti. Ouais, alors. T'as retenu l'adresse? Mais non. Non. C'est pas là, on s'en souviendra. Hé, hey, t'as une mémoire poisson là-dedans. D'accord. Lily Kate est introuvable. Ouais, bah, il nous reste plus qu'à attendre dans le froid. On va peut-être commander quelque chose pour grailler, non? Tu penses qu'à bouffer, toi? C'est pas possible. Regarde ciel! Vas-y, vas-y, vas-y! Bloqué. T'as peur, Mike? Un peu. Hey, elle est là, elle est là! C'est parti.
Liquette. Liquette. Tu vas pas m'échapper. Hé hey. Je joue plus à ça, mec. T'étais où, bordel? C'est glauque ici, ok? Ok. En plus, c'est numéro 2, Rudy. Ouais. J'espère qu'on va réussir à retrouver la sortie. En tout cas, une chose est sûre. J'ai l'impression qu'on est déjà venu là. Tout se ressemble ici. Ça va pas être facile de se repérer. Tu commences pas à être un peu naze en plus. Pour tout avouer, j'avais plus d'endurance au foot US. Parce que t'as joué au foot US. Le foot US. Ouais, le foot US. Là où il y a des contacts physiques, un ballon assez ovale et où tu dois marquer touchdown. Ah ouais, d'accord. Et tu joues à quoi? Les poteaux? Je te suis, Steve. Il y a quelque chose derrière la porte. J'ai entendu un bruit, mais la porte est bloquée. Eh ben, ouvre-la! Elle est bloquée, je te dis! Je t'ai connu plus tenace, l'anthrax. C'est pas faux, je vais la défoncer. Et tu me couvres cette fois. C'est bien sombre ici. Qu'est-ce que c'était? Écoute, je sais pas d'où ça venait, mais ça m'a fait flipper. Je crois qu'on a un gros problème. Ah ouais? Lequel? J'aimerais beaucoup que t'enlèves la main de mon cul. Pardon.